Bonjour, aujourd'hui on va parler des techniques d'ornementation du caftan et des superpositions. Nous avons la passementerie. La passementerie est donc une technique ancestrale au Maroc. Elle joue un rôle clé dans l'ornementation du caftan. La plupart des caftans s'embellissent de ganses de soie tressées qui s'enroulent en méandre pour dessiner de subtiles figures géométriques ou de sous-taches. Il faut en moyenne 8 mètres de ruban pour ganser un caftan. Au Maroc, la fabrication de la sfifa ou tfera, galon qui agrémente bord, couture et ourlet, dépend de la corporation des passementiers et plus particulièrement des Oqdan, qui perpétue l'antique tradition du tressage de la soie, appelée également bashman, les boutonnages. Des artisans au savoir-faire séculaire interviennent par ailleurs dans la fabrication des arqad. Ce sont de minuscules boutons de soie qu'on glisse dans les étroites fentes de kétane. Certaines sont d'ailleurs conçues pour ne plus s'ouvrir. Le boutonnage s'intègre alors dans l'ornementation de la parure ou du caftan, soulignant ainsi toute sa délicatesse. Placé au poignet et sur le devant, ces attaches ferment le vêtement pour mieux le mettre en valeur. Ensuite, nous avons l'art des superpositions. Le caftan est un costume composé de plusieurs pièces d'étoffe, assemblées dans le même sens de la longueur. Ils se croisent sur le devant et se superposent à d'autres vêtements. Ils s'enfilent sur un pantalon et une tunique qu'on appelle la dfina, qui peut être taillée dans de la transparence, de soie, de mousseline ou de gaze, respectant ainsi une forme similaire à celle du caftan qu'elle recouvre.